Bonjour à toutes et à tous, c'est Blarkan. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 39 de mon let's play sur le jeu Fable The Lost Chapter. Je vous avais pas du tout laissé là, la dernière fois, l'épisode 38, nous étions devant la porte de bronze, en pleine préparation pour le combat épique contre le Jack of Blade, deuxième forme, qui sait, je sais pas du tout ce qui m'attend. Donc je vous avais dit que j'allais jouer hors caméra pour récupérer toutes les clés d'argent, c'est ce que j'ai fait. J'en ai 29, il me manque plus qu'une seule. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis à Bowerstone. Puisque la dernière clé se trouve notamment vis-à-vis de la quête des livres. Auquel cas il faut donner près de 25 livres donc, à notre professeur. Donc tout au long de mon let's play, bah, j'en ai donné. En dehors des caméras, j'en ai donné aussi quelques-uns. Donc il est vrai, je n'aurai droit qu'au chapeau blanc, puisque c'est en fonction des livres que nous donnons que nous avons le choix entre le chapeau noir ou le chapeau blanc. Dans un cas où j'ai choisi le côté du bien, eh bien, ça ne me dérange pas. Et donc, une fois qu'on a donné les 25 livres, nous sommes... il nous donne en fait une clé. Donc, on va y aller. Salut! Avez-vous un don à nous faire, héros? Oui. Mais c'est l'alchimiste repentant. Je ne suis pas sûr que cela convienne vraiment aux enfants. Eh bien, pour le dernier livre, je pense que si. Bon, très bien. Je vais essayer. Dites-moi. J'ai tenu cette auberge pendant 25 années, sans savoir que ma femme vivait dans le péché. Oh la cochonne. Cependant que je servais de la bière aux clients, la nuit, ma femme, elle, les servait autrement. Ah, j'aime bien ils ça. Regretteront bientôt les écarts de ces nuits. Lorsqu'ils boiront de ma bière, ils paieront de leur vie. Celui qui, avec ma tendre, a fauté, mourra du breuvage. Et je tiendrai ma vengeance des amants de ma femme volage. Merci, Billy. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah, il a bien travaillé, ce petit. Hein. Hourra ! Ah ? C'était pas le dernier bouquin ? Je croyais avoir donné Hourra le dernier bouquin. Avez-vous un don à nous faire, héros? Bah, ouais. La destruction d'Ogval est un sujet fascinant, mais ce livre comporte un peu trop d'illustrations pour des enfants de leur âge. Bon, allez, fais péter. Bon, bah, il semblerait que ça soit deux autres bouquins, mais normalement, c'est le dernier. Et ça tombe bien, puisque le raid d'Ogval, c'est là où tout a commencé. Vous pensez que c'est sage, héros? Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons reprendre au passage du raid d'Ogval. Certains d'entre vous trouveront peut-être ça choquant. Moi, je l'ai vécu. Je jouais avec mon ours en peluche, Rosie, quand les bandits ont attaqué. Le gentil garçon est venu et l'a sauvé avant que mon frère arrive. Je ne savais pas que je ne les reverrais jamais. C'est quand j'ai entendu les cris que j'ai compris. Un vieux chariot m'a servi de cachette. De là... J'ai vu les bandits massacrer mes amis et brûler toute ma vie. Je voulais les aider, mais la peur m'empêchait de bouger. Nous devrions finir ce livre une autre fois, dans 10-15 ans peut-être. Non, 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 moi je veux savoir la suite. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous montrer quelque chose. Vas-y, fais péter. Lors d'une excursion, le petit Billy s'est éloigné du chemin, comme d'habitude, et il a trouvé ceci. Et ben voilà. Il a essayé de la cacher sous sa chemise. Vous imaginez? Je suis sûr que ça vous sera utile. Merci beaucoup. Donc vous voyez, le maître d'école est passé en violet, c'est-à-dire que la quête étant terminée. Donc si je regarde mes quêtes actives, il y a eu un petit bug pendant que je jouais, la collecter les poupées est revenue, bizarrement. Donc n'y tenez pas compte, puisque celle-ci a été validée, hein, je l'ai bien, j'ai donc la poupée de Jack of Blade. Le concours de pêche, bah, nous avons tout réussi, la chapelle de Scorm, nous avons eu l'arc, compétition du lac de poulet, j'ai tout validé, temple de la lumière, j'ai rajeuni et réussi à avoir l'arbre, concours de tir à l'arc, pareillement, donc il nous reste plus que la bataille finale. Mais maintenant que nous avons les 30 clés d'argent,
Nous allons pouvoir ouvrir le dernier coffre à clé d'argent. Donc j'ai fait tout le reste, j'ai tout vérifié. Je n'avais oublié qu'un seul coffre qui était dans le lac de Darkwood, à côté du bordel, ce qui m'a donné une arbalète, tout simplement. Donc on va se téléporter à la baie perdue, je crois, voilà. Pour pouvoir donc ouvrir ce fameux coffre, dont j'ai hâte de savoir. Si dans un coffre à 25, j'avais eu l'armure d'Archon, imaginez ce que je pourrais avoir dans le coffre à 30. J'ai vraiment hâte. Alors on va y aller. Suspense, c'est bientôt là. Et donc, vous l'avez deviné, une fois que nous aurons ouvert ce dernier coffre, nous pourrons nous diriger vers la dernière porte démoniaque afin d'avoir son dernier trésor et enfin se mettre en place et se préparer pour le combat final. Vous êtes prêts? Voici le coffre à 30 pièces, 30 clés d'argent plutôt. Oh. Vous avez vu? Non mais vous avez vu? Oh là là, attendez, inventaire. Arme de mêlée. Oh. Cette arme magique appartenait à Weldon, le héros dont la famille fut massacrée par des créatures démoniaques. Weldon fait un marché avec un nécromancien et échangea sa vie contre une épée suffisamment puissante pour détruire les monstres jusqu'au dernier. Le cœur du héros fut placé au centre de la lame lorsque la vengeance fut accomplie. Son cœur fusionna avec le métal tandis que son corps sans vie s'effondrait sur le sol. Mince, je l'ai reperdu. Alors on a l'alarme d'Avo qui fait 230 contre 180. Fais voir, j'ai envie d'essayer. Ouais, bah j'ai beau apprécier l'alarme d'Avo, le vengeur, elle est vraiment classe. Et bah voilà, ça sera notre épée pour combattre le... pour combattre Jack of Blade. Je pars avec une épée moins cheatée que l'alarme d'Avo. Mais bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc vous voyez, je suis pas encore habillé en armure, tout ça. Parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc, ce que nous allons faire, c'est déjà mettre ceci pour aller traverser les péripéties des monstres à venir. Hop. Et on va se mettre sur ce pouvoir-là. J'ai découvert en essayant un peu tous les pouvoirs, certains pouvoirs... je me répète. Enfin, certaines magies vraiment très très intéressantes. Notamment ces deux-là. Vous allez comprendre pourquoi. C'est juste un massacre. Alors. Alors, grâce à ce pouvoir, donc celui de gauche. Mince. Je suis en fait comme en mode berserk, donc ma force est quasiment triplée. Mais en plus, vous voyez, ah, c'est en mode Hulk. Grâce au pouvoir de droite, mes coups sont quasiment... En fait, chaque coup porte 4 fois. Regardez. Donc, c'est juste... Regardez, là, si je fais, 252 de dégâts. Avec le pouvoir de Hulk, je fais quasiment 500 ou 430. Voilà, 605. Les ennemis se font massacrer, mais royal. Ah. Merci. Bon, on va pas se faire tous les ennemis, hein. Je voulais juste vous montrer ça.
Parce que je trouvais ça génial en fait. Ma force est quasiment triplée. En un coup, je peux donner 4 coups d'épée. C'est cheaté. C'est cheaté. Après, vous me demandez pourquoi je jouais pas à la magie. La magie est cheatée. Avec ça, le jeu me serait devenu encore plus simple qu'il ne l'est. Donc, on va faire une esquive vers la gauche. Afin de donner toutes nos clés d'argent, cette fois-ci, à la porte démoniaque et voir ce que nous avons. Salut! Dis, je te parle. Je n'ai jamais voulu être une porte démoniaque. Oui, tu me l'as déjà dit. Si seulement... Je ferais n'importe quoi. Tu l'as déjà dit, je te les donne, pas de problème. Maintenant, je les ai toutes. Oui, oui, très bien. Allez, donne-moi donc tes clés. Je les donne toutes. Oui, oui, je te les donne. Petite clé d'argent. Venez, mes jolies. Merci. La voie est ouverte. C'est un plaisir. C'était donc notre dernière porte démoniaque. Tout est en dernier. Dernier coffre à clé d'argent. Dernière porte. Dernière minute. Dernier épisode. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Je suis bien attristé. Oh, l'endeuilleur. Ah, mais ça me fait trop d'épée, là. Attendez. Alors, arme. Arme de mêlée. C'est pas l'épée de l'endeuilleur. Où est-ce qu'elle est ? Le vengeur. C'est pas l'épée de l'âme ? Je la vois pas ! Blutan. Iryu, Onox, Massu, l'arme d'Avo, le vengeur, grande épée. Non, mais je la vois pas. Poil à frire. Alors, grande épée, le vengeur, marteau de vélo, fendeur, masque, katana, marteau, épée longue de mètre, épée, masse, fendoir. Je l'ai pas vu. Attendez, vous l'avez vu comme moi. C'est pas une arme de distance. Donc ça, c'est l'arbalète que j'ai récupérée, en fait. Qui est quand même, en fait, l'arbalète la plus puissante, un peu comme l'arc de Skorm. Donc, dans le coffre à clé d'argent, dessus. Donc. Alors, fendeur de maître, Iryu, Ronok, marteau, sombre présage, l'arme d'Avo, massu, le vengeur, grand marteau... Non mais je la vois pas du tout. C'est nul. Il y a un bug. Ça m'embête. On va passer 5 minutes, 10 minutes tant qu'on la voit pas. Bâton, épée longue, katana, fendoir, hache, marteau, katana d'acier. Fendoir, fendoir, hein, épée longue, masse, blutan, hache, épée, marteau, hache, kanata. Iryu, Ronok, marteau de Wello, l'arme d'Avo, massue d'Orcon, grand main, grande épée. Bah non, je la vois pas. Je viens de me faire avoir d'une épée, l'endeuilleur. Je comprends pas. Je viens de me faire avoir de l'endeuilleur. Il y a l'arnaque. Il y a de l'arnaque. Attends, c'est pas dans mes objets. Genre inventaire, objet, autre. Non, trophée. Non, on est d'accord, hein. On est droit. Trophée de gang, tout ça. Non, non, c'est bien dans mes armes. Il y est pas. Je me suis fait avoir de l'endeuilleur. Bon, vous savez ce qui va se passer? C'est que je vais recharger ma partie. Je vous reprends ici. Voir si j'ai cette épée. Si c'était un bug juste du...
c'était un bug juste de ça, quoi. C'est bizarre. Bon, allez, à tout de suite. Et me revoilà. Alors, cette fois-ci, j'ai réussi. C'était bien donc un bug de tout à l'heure. En fait, j'avais 55 armes à une main, que ce soit de toutes les armes que vous avez pu voir tout au long de mon let's play. Il semblerait que dès que j'ouvrais ce coffre, eh bien, ça ne voulait pas aller au-delà de 55. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu des armes qui ne me servent à rien. Des armes d'acier, des armes, les toutes premières armes qu'on avait. Donc voici l'endeuilleur. C'est une très belle arme à deux mains. Mais vous connaissez mon amour sur les armes à deux mains, hein, personnellement. Donc je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas la prendre et je vais reprendre donc... le Vengeur. Voilà. Qui est aussi une très belle arme. Ce n'est pas la larme d'Avo. Mais ça sera tout comme. Alors, on va repartir donc de plus belle. Et cette fois-ci, plus rien va nous arrêter. Nous allons direction la Porte de Bronze. Direction Jack of Blade. Pour la fin de notre aventure. Qui aura bien pris avec cette pause de 3 mois. Près 6, de 6 mois. Si j'enlève celle-ci. Ce qui est pas mal. Voire même plus longtemps puisque... C'est vrai que c'est 6 mois à partir du moment où je tourne cet épisode. Et vous l'aurez bien plus tard, je l'admets. Ça me laissera le temps d'ailleurs, peut-être, de pouvoir acheter ce qu'on appelle un HDPVR. Et de relier donc avec celui-ci ma Xbox à mon ordinateur. Ce qui permettra notamment de filmer Fable 2. Fable 2 n'étant pas sorti sur PC... je ne pourrais pas le faire à la suite. Donc si je n'ai pas d'HDPVR, eh bien je ferai un autre let's play sur un autre jeu en attendant de pouvoir me l'acheter et de continuer ma saga Fable. Alors, pourquoi il y a des ennemis ici? Bon, on va se les faire. Voilà. Salut les mecs! Hop, on va. Vous voyez, cette magie, c'est un truc de fou. Les ennemis, ils ont rien le temps de faire. À part de temps en temps de me frapper. D'ailleurs, ça me fait penser. Donné que j'ai recommencé, je n'avais pas sauvegardé. Bah, du coup, je n'ai pas du tout rangé mes équipements, comme vous avez pu le constater. Comme j'aurais bien aimé. Voilà. Donc, j'avais mis ça. Ça. Gloussé. Et notamment, en renom. Alignement. C'est le merci, je l'ai. J'avais fait les. Voilà. Ce sera pour plus tard. Donc, on se prépare. Nous voilà à nouveau de retour. Nous voilà à nouveau de retour dans le centre, dans le sanctuaire d'Archon. On se souvient de Tonnerre. On se souvient de notre maman. Et enfin de Nostro qui se sont sacrifiés. Peut-être pas pour Tonnerre. mais pour qu'on puisse combattre le mal final. Je vois que mes amis se sont barrés. Ils sont extrêmement courageux. Super. Super, bravo. Bravo Eglantine. Bravo Faux. On va donc se changer pour se mettre en tenue. Voilà, l'armure de combat. Alors. Donc une dernière fois, nous admirons cette belle armure. Et c'est parti.
Donc ce que je voulais vous dire avant d'aller combattre cette chose là, ce Jack of Blade, c'est que notamment, pour m'avoir suivi depuis le début, depuis tous mes débuts, alors que mon micro ne fonctionnait pas, enfin que j'avais pas de micro, que j'avais un ordinateur pourri, que je m'essayais un peu à filmer pendant que je jouais, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi et qui m'ont boosté, m'ont amené à ce que je continue, en m'indiquant que ce que je faisais c'était bien, que j'avais de quoi améliorer, que je m'améliorais au fur et à mesure. Donc ça continuera bien sûr de s'améliorer dans les prochains let's play, que ça soit Fable ou que ça soit un autre jeu. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer un jeu qui vous plairait que je fasse, en attendant que je puisse que j'ai mon HDPVR. Ce sera avec grand plaisir. Allez, cessons de tergiverser. J'ai pas rêvé. On va y aller et c'est parti. Allez, Folie d'Archon, Porte de Bronze, c'est parti. Oh là là, je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Mais c'est le combat final, mes amis. Ah, te voilà. T'es où, Jack? Une longue attente. Mais je savais que tu viendrais me libérer. T'es où, Jack? Tu n'es qu'un pantin. Tu n'en as jamais assez de te faire manipuler. Qu'est-ce que tu dis? Je suis immortel. Les dieux et les démons que tu crains et adores ne sont rien pour moi. Un dragon? Un dragon? Non. Pas de dragon. Les dragons sont décédés. Oh mon dieu. Jack s'est réincarné en dragon. Alors là, si vous voulez du combat épique, mes amis, c'est la bataille finale. Ça s'appelle vraiment la bataille finale. C'est pas pour rien. Salut! Hein? Attends. Waouh. Comment tu m'as fait? Cette chaleur, ces flammes, comme le jour où Ogval a brûlé. Ouais. T'es où? Oh là là. Vite, mon arc! Oh mon dieu! Oh, aïe. Mince. Au secours! Non mais... Il est horrible! Vous avez... Non mais... Tu ne te rends pas compte à quel point tu es petit! Ah bah si. Ah bah perso si. Oh là là, reste calme. Non. Albion a brûlé. Waouh. Ce que tu as accompli était vain. Ouais, non. Hein? Pourquoi tu mets. Oh là 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 là. Hey, heureusement que je suis. Tu ne comprends pas. Aïe. Oh mon dieu. Je suis en train de spammer les potions. Je lui ai enlevé qu'un tiers de sa vie. Un tiers de sa vie. Lui, il me défonce. C'est quoi ce combat? Non. Merci. Non, pas merci, qu'est-ce que tu veux? Le mec, il est... Non. T'es content que Jack, il te défonce. T'es heureux. Oh là là.
Oh là 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 là. Dégage, 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 dégage. S'il m'a pas déjà tué au moins 50 millions de fois, c'est parce que j'ai énormément de potions. C'est tout. Il est où? Il est où? Au secours. Bon allez, là je le défonce. Allez. Allez, faut lui donner tout ce qu'on a. Allez, on s'en fout des minions, on le défonce, on le défonce, on le défonce. Allez, allez, dégage, dégage les minions, on le défonce, on le défonce. On l'a bien massacré. Je vais essayer de me mettre là-bas. Ah, il m'a mis un invocateur. Oula. Non mais c'est quoi ces pouvoirs de malade? Merci. Tais-toi. Ah, je suis coincé dans le mur. Tais-toi. Ouais, pendant que je suis en train de le faire, il y a Jack qui est en train de s'amuser tout seul dans son coin là. Et il s'est barré en plus. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, je vous le dis, aïe aïe aïe. Merci. Non mais dis pas merci. Mec, c'est déjà comme Blade. Il est horrible comme monstre. En tout cas, je peux pas dire que ça soit pas épique. Perso, j'ai toujours voulu me battre contre un dragon. Bah si je me sors pas avec quelques cicatrices de là. Allez, allez, on y est presque. Allez, Jack, Jack. Oui, oui, Jack, Jack, Jack est décédé. Tiens, j'aspire ton âme, Jack. Tu seras coincé. Le combat n'est pas terminé. Vous devez détruire le masque. Quoi qu'il arrive. Ne le mettez pas. Porte-moi. Porte-moi. Et les dieux envieront tes pouvoirs. M'entendez-vous? Vous devez vous débarrasser du masque. Porte-moi. Et le monde sera à tes pieds. Écoutez-moi. Détruisez le masque, vite! Porte-moi, et tu seras immortel. Détruisez-le! Mais j'ai pas le choix. J'ai pas compris. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. Je t'avais dit qu'on ne me tuait pas si facilement, héros. Oups. Oups. Je crois que c'est Jack qui a gagné. J'ai pas compris. Je pouvais pas bouger. Je pouvais pas le détruire. Ça s'est fait automatiquement. J'ai pas compris. Le dragon était vaincu. Et pourtant un frisson parcourut le monde. Les cieux s'assombrirent. Et chaque être en Albion se figea de terreur l'espace d'un instant. Le héros et Jack of Blades ne formaient plus qu'un. Nul ne savait quel chaos ils allaient engendrer. Mais même dans l'âme la plus désespérée, une chose était sûre. Dès que surgissait le mal, un héros se dressait contre lui. Ah, 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 ah. Ah, je suis Jack of Blade. Eh bien, nous avons fini Fable The Lost Chapter, premier du nom. Nous avons terminé notre épopée. Oh là 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 là, c'est fini.
Quand je me suis lancé dans cette aventure, mais je pensais absolument pas pouvoir... Enfin, le finir en vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau. C'est mon premier let's play que je viens de terminer de A à Z. J'ai tout fini. Que d'aventures, mes amis, que d'aventures. J'espère que le début de cet épisode, le petit montage que je vous aurai fait qui retraverse tout ce que nous avons vécu, pas que moi, mais vous d'ailleurs, vous aura plu. Retraçant donc cette épopée fabuleuse, parce que ce jeu est un excellent jeu, je l'apprécie énormément. Il a ses défauts de caméra, il m'aura bien fait bien énervé, mais à l'époque ce jeu était vraiment, on va dire, révolutionnaire, puisqu'il nous donnait le choix de faire beaucoup de choses dans la limite de celui-ci. Il est vrai que la saga Fable permet ses choix, on aimerait toujours plus de possibilités. Mais bon, c'est les jeux Fables. Il y a beaucoup de promesses et pas beaucoup qui sont tenues. N'empêche qu'on s'amuse énormément, que l'univers est assez varié, les personnages sont extrêmement touchants, à part Tonnerre. Et donc le background et l'univers est assez important et imposant pour se laisser immerger. Donc j'espère que vous avez pris énormément de plaisir à regarder ce let's play. Autant que moi je l'ai eu à le tourner et à y jouer, je l'admets. J'ai pu vous montrer à peu près toutes les phases qu'il y avait dans ce jeu. J'ai fait tout. On a ouvert tous les coffres. On a fait toutes les quêtes. J'admets qu'à la fin, j'aurais bien aimé me débarrasser de Jacob Blade et finalement, c'est lui qui a gagné. Bon, bah, ça pourra vous donner quelques épisodes bonus où je m'amuserai à faire un peu le mal sur ce jeu. Voilà. Donc un personnage tourné vers le bien qui finalement tombe dans les griffes de Jacob Blade. C'est une fable. On ne sait jamais la fin. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc voilà, donc beaucoup de choses, beaucoup de remerciements d'ailleurs. Je l'avais fait à l'épisode 20, mais je le refais. Donc notamment à mes viewers, un grand merci, Tsubasa Ozora, Clément Wedman, des personnes qui ont commenté, Knelpon, donc ma petite sœur, si vous ne le saviez pas, qui me soutient dans cette aventure et qui, tout au long du let's play, m'a permis de me donner un ordinateur. D'ailleurs, il faudra que je lui rende, en espérant que d'ici que cet épisode sorte, je m'en suis acheté un. Enfin, j'espère que je m'en suis acheté un. Sinon, pour vous, ça va être galère, parce qu'il y aura sûrement une petite période encore de pause avant que je puisse retourner. Sinon, dans quel cas, je vous rassure, je vous laisserai une petite vidéo, hein, bien sûr. Que dire, graphiquement, bah, on est sur un jeu hein, de 2005. Donc bon, voilà. Il reste très très beau, hein, malgré tout. Si on ne cherche pas tout le temps le réalisme. Je ferai bien sûr Fable 2 et Fable 3 et Fable The Journey, voire Fable 4, quand il sortira sur Xbox One, ou sur PC d'ailleurs. Je vous quitterai pas comme ça. Il y aura d'autres let's play. Et c'est d'ailleurs ce que je vous indiquais tout à l'heure, bah, m'indiquer quel genre de let's play vous souhaiterez me voir. Sachez que je suis pas très FPS, donc il y a peu de chances que je fasse un let's play dessus. Sur un FPS, mais sur un jeu d'aventure tel que Fable, tel que notamment les Mass Effect que j'apprécie, les Dead Space aussi, voire encore les Dragon Age, ce genre de jeu. Il est possible que vous puissiez me retrouver là-dessus. C'est à voir, c'est à réfléchir. Ou de vieux jeux tels que des anciens Zelda. J'apprécie énormément aussi. Donc, voilà, donc je ne sais toujours pas. On verra, donc là je vais sûrement avoir beaucoup de montage, parce que j'ai tourné beaucoup d'épisodes en l'espace de pas longtemps.
pour vous, ça n'a pas d'importance puisque vous allez avoir deux par semaine. Voilà, mais j'en reviens pas, mon épopée est terminée, ça y est. C'est fini. Et là, le générique, il est un petit peu long, donc j'essaye de meubler. Mais je n'ai pas. Donc je vais me taire. Et vous laisser donc avec ce générique. Et je vous reprendrai à la fin s'il y a une petite cinématique. Je ne sais pas. Allez. À tout à l'heure.
assez mauvais pour utiliser l'expression quoi. Et vous venez d'apprendre l'expression insulter. Vous êtes maintenant assez mauvais pour utiliser l'expression déhanché vulgaire. Bon, nous revoilà. Et il semblerait que mon personnage soit devenu méchant. On va aller se mettre à la guilde. Alors, juste pour voir. Mais je crois que je ne peux pas enlever mon... Ah, tout de suite, mon personnage est moins beau. Hein. Alors, inventaire, vêtements, tête... Eh ouais, on peut pas enlever le masque de Jack of Blade. Et voyons voir mon statut héros. Personnalité. Je suis devenu méchant. Alors on a juste deux petites cornes. Franchement, c'est tout. C'est débile. C'est quoi ces petites cornes de naze? Hé Pépé. Bon bah Pépé il parle plus. Bon bah voilà, mon personnage est devenu maléfique malgré toutes mes actions bénéfiques. Je n'ai plus aucune quête disponible. Je suis chauve. Et j'ai le masque de Jack of Blade. Bref, voyons voir. Non mais arrête de tourner la tête. D'accord. Bon bah on va dire que c'est une histoire qui se termine mal. Nya! Je vais tous les tuer. En commençant par Pépé. Non, on tue pas Pépé. On ne tue pas Pépé. Pépé, il était gentil. Bon, allez, ben on va arrêter. Donc voilà, donc normalement à la fin, vous avez soit la possibilité de jeter le masque, et auquel cas j'ai pas du tout compris comment faire. Et du coup, bah, je l'ai récupéré. Soit bah, de le récupérer, de passer complètement méchant, de ne pas pouvoir enlever le masque. Comme je viens de faire. Bon bah... Tant pis, c'est la loi du jeu. Je ne recommencerai pas. Je ne recommencerai pas et puis on continuera comme ça. Je n'ai absolument plus rien à faire. Regardez. J'ai donc tout fait. Je me ferai peut-être un épisode bonus pour massacrer tout Hogval, enfin pour le fun, pour le lol. Voire mettre un mode pour tuer tout le monde aussi à Bowerstone, je sais pas. Donc si vous voyez un épisode 40 bonus, pas de problème, c'était... C'est juste que j'ai eu le temps. Si vous n'en voyez pas arriver, c'est que j'ai la flemme. C'est tout. Donc on va se terminer sur les dernières expressions que je n'avais pas pu voir, parce que voilà, j'étais en mode alignement. Voyons voir le doigt, la guitare en l'air et la danse classique. Ce sont en fait des expressions que nous avons que nous, si nous sommes méchants. Et je ne pouvais pas les avoir parce que j'étais trop gentil. Alors, qu'est-ce que ça nous donne 3. Hey! Excellent! Hey! Merde! D'accord, donc c'est l'expression qu'on avait vue en livre. 5. Allez. La méthode culbuto, d'accord. Et enfin la danse classique. On s'en refait. Allez. Merde. Pas de chance, j'ai le masque de Jack. Mais hey, tant pis. J'en ai rien. Donc en tout cas, un grand merci d'avoir suivi mon let's play sur le jeu Fable The Lost Chapter. On se laisse ici, donc à la guide, là où finalement tout a commencé. En mode méchant. Et je vous dis vraiment un grand merci de m'avoir suivi depuis le début. D'avoir suivi mes épisodes un peu foireux. Et de ma montée en progression. On se retrouve très rapidement pour un nouveau let's play. Et auquel cas, vous le saurez si c'est donc la suite de Fable ou non. Sinon, ça sera un nouveau jeu. A très bientôt, merci et un grand merci à vous. Merci.